Bikini à l'africaine, des robes en pagne mêlées de raffia ou de ngoto, Bissona Bisso en lingala qui veut dire « entre nous » est un festival qui porte bien son nom. Des stylistes venus des quatre coins du continent ont présenté leurs créations, des créations exclusivement africaines, et Cardi Cardelin Babakila, directeur du festival, nous explique pourquoi. Aujourd'hui, nous sommes tellement modernisés que nous partons vers un chemin d'oubli. Mais alors que nous avons des repères d'identitaires qui ne peuvent pas disparaître comme ça. Donc voilà d'où est venue l'idée de donner un concept qui a pour but de valoriser la culture africaine, notamment dans la mode traditionnelle, et de brasser les différents pays, les nations, dans cette ville cosmopolite. Parce que nous vivons dans cette ville là où regorge beaucoup de nationalités, des communautés. Alors s'ils sont chez nous, nous devrons savoir qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils font, comment ils font. Galio Trifian Lionel, l'un des stylistes invités à ce festival, a représenté sa double culture, congolaise et nigériane, en mettant en exergue les tissus traditionnels de ces deux pays. Pour le Congo, j'ai utilisé du raffia, vu que c'est courant ici au Congo. Et pour le Nigeria, j'ai associé des accessoires et du ngoto. Le message que je voulais transmettre, c'est que la mode n'a pas de frontières. Pour cette deuxième édition, inscrite sous le thème « Mode et valeurs traditionnelles », plusieurs autres acteurs de la mode africaine, comme des stylistes en herbe et des mannequins à l'aube de leur carrière, ont été conviés. Et tous ou presque, ont pu tirer leur épingle du jeu, malgré selon eux l'absence de promotion dans ce domaine. Pourquoi elle s'appelle Jack Thomas Collection ? Ça se passe tellement bien que ça m'aide à avoir confiance en moi. J'aime déjà la mode depuis l'enfance, donc je suis très contente d'être ici. En fait, je pense qu'au Congo, il nous manque beaucoup de choses côté mode, en fait. On n'est pas très vu et on n'a pas ces opportunités-là de pouvoir nous exprimer, en fait. Ça nous arrangerait bien que nous, les mannequins de Congo, on quitte ici pour aller défiler ailleurs. Pour avoir plus de défilés, on doit quitter ici pour aller là-bas. Le Cameroun, le Nigeria ou encore la Côte d'Ivoire, le festival Bissona Bisso s'est avéré être le carrefour de la traditionnelle mode africaine. Cédric César Siosolo, Linette Bahati, Africa News.